C'est vraiment nous mettre dans une situation de danger complètement inutile, quoi. Donc j'ai pris une photo et tout de suite les policiers sont venus vers moi et m'ont demandé de fouiller mon sac et m'ont confisqué les deux casques que j'avais marqué presse, mes deux masques, des protections de peintre pour se protéger des gaz lacrymogènes. Je tiens à préciser que j'avais ma carte presse sur moi, que je leur ai montré ma carte presse, qu'ils ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire, ils ont tout pris. Et quand je leur ai demandé comment est-ce que je vais pouvoir le récupérer, ils ont rigolé et ils m'ont dit que ça allait être brûlé avec tout le reste. C'est pas normal qu'ils nous mettent dans une situation de vulnérabilité dans une manif comme ça, alors qu'on est juste là pour faire notre métier. Ils essaient qu'il y ait le moins de monde possible qui aille à la manifestation. Et que donc, en nous privant de protection, ils espéraient que du coup, on ne puisse pas y aller. J'imagine qu'il devait y avoir des consignes, parce que normalement, en montrant la carte presse, j'aurais dû comprendre et me laisser passer avec ça, en sachant que c'était pour me protéger. Et après, il y a surtout, et ça c'est encore plus grave, des photographes qui ont vraiment l'impression d'avoir été sciemment visé à un coup de flashball notamment. Oui, Et c'est-à-dire. certains ont été blessés. Et voilà, je veux juste que ça se reproduise plus.